j'ai pas réussi à prélog, t'imagines Banzac, j'aurais trop le zap. C'est la dernière vidéo qui mettra autant de temps à arriver après une autre en fait. Genre je mets 2 semaines à chaque fois entre 2 vidéos, c'est terrible, c'est terrible. J'avais plein de choses à faire, je pensais pas que ça allait être aussi occupé pour les fêtes de fin d'année. Avec Noël et tout. Je m'y remets pour de bon. Je m'y remets pour de bon. Je vais taf comme un fou furieux pour vous proposer du contenu de malade. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le Discord en fait. Le Discord m'a mis... Le Discord m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai changé plein de trucs. Aujourd'hui, les gens, j'ai juste envie... En fait, je me suis demandé, mais 99% des games de LoL, il n'y a jamais vraiment de positivité. Il y a toujours de la négativité. Je me suis dit, tiens, attends, mais je vais lancer une game dans les fêtes de fin d'année, entre Noël et le jour de l'an. Normalement, les gens sont trop heureux. Ils ont passé Noël en famille. Ils ont leurs cadeaux. Ils sont trop heureux. Ils sont en vacances. On peut que avoir une bonne game. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est vrai que le cadre diamant est quand même beau. Hein. Oh purée, le cadre gold et plate, qu'est-ce qu'il est moche. Contrairement au diamant. Après, c'est parce qu'ils ont la petite icône aussi. Hein. Bon, je suis avec une Tristana. On a ça. Ok, ça me va. On peut cheese. Ok. On va mettre une petite ward là. Au cas où. Et on va pouvoir le all-in soon. Ils ont mis la ward là, c'est bien. Allez, on va le tuer vite. Bon, on ne dira rien sur, sur les réflexes des joueurs ennemis. Y a pas de problème. C'est un peu compliqué en même temps de jouer exhaust. Et cleanse, parce que sans heal, tu peux te faire avoir assez rapidement sur ces trucs-là. Regardez la mid lane, et là en fait, tu ne back pas, tu fais mid. Tu seras peut-être contre le jungler, mais normalement il ne vient pas parce que en fait, bah on back. C'est pas wardé ici, donc ça normalement je le sais. La vaille ne vient pas avec moi, c'est un peu dommage. C'est peut-être wardé où je suis. On va prendre le kill, désolé. Bon, elle a Ignite, elle a gardé son flash. Mais je suis là pour carry. Je pense que si tu es en train de smurf, prendre les kills avec un support, c'est pas dérangeant. Si tu vois que ton support est en train de carry, il vient de détruire la bot lane. Il est en train de faire un support gap gank à la mid lane. Le jungler t'a complètement ignoré. Moi, je vois un support qui fait ça. Il joue un truc qui carry. Genre un truc comme comme ce que j'ai, hein, Zac full AP. Bah y'a aucun problème. Y'a aucun problème et je lui fais confiance. En fait, si t'arrives pas à voir que j'ai le niveau pour carry la game, y'a peut-être un problème. Tu vois, il faut vite analyser les joueurs quoi. Je vais assister la mid parce qu'ils vont peut-être être en 2v2. Allez. Et Karim est là ou pas? Bon, je suis là au cas où qu'il y ait Karim en vrai. Bon, bah t'es morte hein, du coup. C'était son W chargé qui aurait pu la sauver, mais si elle se barre, bah ciao. La Tristana va back. Elle va pas me R, non? C'est bon? Ok. C'était risqué, mais j'aime. On peut ward là en vrai. Ok, comment on supporte le Jax? Pas ouf. Can play against Karma. Ok, je vais prendre. Je vais prendre mes bots et je vais décale. En fait, c'est bien d'assister. C'est pas parce que Vi va au top gang qu'ils ont pas besoin de moi. Non, parce qu'il peut y avoir Ikarim en fait. Ça, c'est super important. Super, on a notre niveau 6, pas trop tard. Toi tu peux prendre ça. Et là je vais la cover. Je vais juste voir des deep là. Bon bah je vais le tuer, je vais prendre. Ouais. C'est good. Bon il est en train de gigatroll le Ekarim. Je sais pas ce que fout le Ekarim. Genre les deux junglers sont
sont un peu AFK, genre. Les gars, c'est des fêtes, je suis en train de travailler. Mais mort, genre. Bah, la game est trop bien, en fait. C'est tellement rare des games comme ça, je trouve. Les gens te follow plutôt bien aussi. Et j'ai des kills. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai des kills, je peux dérouler la game parce que bah, je maîtrise mon personnage. Je maîtrise la game, je sais, je connais le jeu, etc. Le pire truc qui peut arriver, c'est donner des kills à des gens qui ont beaucoup de mal à jouer. Donc des fois, tu t'en rends pas compte parce que c'est juste la laning phase. La laning phase, c'est souvent très facile à jouer. Non. J'ai pas ça. Ok, lui, il est là-bas. J'annonce, 3 secondes. On va la surprendre avec ça. Alors moi j'ai mon ult, j'ai mon passif je veux dire. Ok, bien joué. Je vais aller aider le top. Je vais prendre ça et je me barre. Les gars, ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. Je vous sors une game comme ça. J'ai juste envie de vous donner envie de jouer Zac support en fait. Je trouve ça tellement cool. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître dans mon gameplay, donc vous avez peut-être aimé. Ok, cool. Pas monter le W. On repart. J'ai abandonné Tristana. Ne faites pas comme moi toutes les games. C'est juste que Tristana est en pur 1v1 contre une Sivir et elle avait un petit peu l'avantage avec l'assist et expérience et gold, etc. C'est tout. C'est pour ça. Mais si la Tristana était restée en permanence seule, j'aurais donné beaucoup plus de visites que ça. Le Karim qui chiale alors que bah, il a pas joué de la game. Le Zilean, bah oui. Alors, c'est pas du tout pour me la péter. Mais la technique que je suis en train de faire, que c'est ce que j'expliquais je crois dans une vidéo, c'est que... Ah merde, il n'y a plus besoin de faire ça, c'est vrai. J'expliquais dans une vidéo que la méthode que je suis en train d'utiliser, beaucoup n'arrivent pas à roam en fait. Ils comprennent pas trop comment ça se passe, faut quand même avoir une certaine macro game. Et c'est ça, tu vas vraiment les out roam, tu vas les out macro plutôt. Parce que ce n'est pas juste roam. Et Zac en fait, si tu full roam, tu as un bon score de vision, tu sais jouer avec la vision... Bah tu fais ce que tu veux en fait, c'est un peu comme un Fiddlestick, mais avec un ultime 20 secondes de cooldown, c'est trop fort. Là j'ai pas d'ultime. Bien joué. Wouh, dommage. Mais ça va en vrai. Execute. Je suis en train de remonter des comptes, hein. Pardonnez-moi. Hein. Alors attends. Elle a pas eu le temps d'ult ? Comment ça se passe ? De fait, il fait quoi ici ? Je vais prendre la grosse pour ça. Pas besoin. Prends le canon. Waouh ! Le Jax met des patate! Tu m'as pas réussi à prendre le canon. Donc voilà ce que ça donne quand tu prends les kills. Oh non! RIP. RIP. Je suis le seul mort de l'équipe. Il fallait les gars. C'est en fait, ça va leur faire du bien, tu vois. Ça va leur faire du bien. En plus, je me suis pas donné gratuitement dans le sens où j'ai pas fait exprès. Ça va leur faire du bien au moral. Non. Tu vois, c'est je suis exactement dans le film Grinch, tu vois. À la fin, on devient sympa. C'est fait pas exprès, mais ça fait du bien. Y a pas de problème. Quoi ? C'est fait exprès les gars. Non mais c'est pour les détilts. Je pense à ça. Non mais là ils finissaient la game avec 0 kill. Je les faisais désinstaller League of Legends. Je suis trop sympa putain. Bref, bah écoutez, le Grinch finalement c'était moi. Mais La fin finit bien. C'était du D4 ça ?
C'est donc du D2. Y'a pas de problème. Et s'il y a des gens comme moi qui vous font chier sur League of Legends, j'ai une solution pour vous. Aujourd'hui, on est partenaire de Instant Gaming. Je n'ai même plus besoin de vous expliquer le site. C'est un endroit où vous allez pouvoir acheter des jeux avec des réductions de fou furieux. Regarde. Need for Speed Unbound, qui vient à peine de sortir, moins 40%. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Harry Potter, qui est pas encore sorti, en précommande, moins 24%. Bref, si un jeu t'intéresse, fonce. Allez regarder sur ce site avant de l'acheter, parce que tu peux sauver énormément d'argent dans ces périodes compliquées. Tu peux aller dans les tendances, il y a des commentaires, il y a des notes, etc. Donc fais-toi plaisir. Lien dans la description et amuse-toi avec leur catalogue complètement insane. Et même si ce mois-ci, il n'y a pas de giveaway sur Instant Gaming, tu peux gagner une carte cadeau de Instant Gaming sur Discord. Il n'y a actuellement que 19 participants. Donc là, tu peux avoir une chance sur 19 de gagner 10€ de carte cadeau Instant Gaming. Je vous attends sur Discord et on se revoit pour 2023. Ça va être insane. Ou pas.